Je n'ai pas une excellente mémoire. J'oublie beaucoup de choses. Parfois importantes. Il m'est arrivé de perdre mon portefeuille 3 fois dans la même journée. J'ai même déjà oublié d'aller chercher mon enfant à l'école. Mais certaines choses restent à jamais gravées dans ma mémoire. Enfin, j'en ai peut-être aussi oublié quelques-unes. En revanche, je me souviens parfaitement du photographe à l'école maternelle. Nous devions tenir un combiné téléphonique. J'ai grandi, je me suis fait des amis et suis parti à la découverte du monde. Et je me suis mis, moi aussi, à la photographie. J'étais curieux. Je m'interrogeais sur le sens de la vie. Maintenant, j'ai un énorme carton rempli de photos, de diapos et de négatifs. Un vrai fatras que je n'ai jamais réussi à ranger. Le mont Kazbek, un des plus hauts sommets de Géorgie. J'ai tenté par 2 fois de l'escalader, en vain. Le village de Chatili, dans le nord de la Géorgie. J'ai pris cette photo il y a 15 ans. Je m'en souviens bien. Comment aurais-je pu me douter que Chatili resterait gravé dans ma mémoire? Voici comment tout a commencé. C'était en septembre 1999. J'avais 22 ans, j'étais étudiant en art et m'intéressais beaucoup à la photographie. Je connaissais tous les photographes de la ville. Par contre, celle qui était assise à côté de moi, je ne l'avais encore jamais vue. Elle n'avait pas l'air géorgienne, mais plutôt occidentale. Est-ce elle ou son objectif flambant neuf qui a retenu mon attention? Quelques jours plus tard, nous nous sommes recroisés par hasard au labo photo. Je me suis alors rendu compte que je ne m'intéressais pas seulement à son objectif. Je n'avais que quelques rudiments d'anglais, mais je voulais à tout prix discuter avec elle. Et c'est ce que nous avons fait. Elle était journaliste et venait de Paris. Nos rencontres suivantes n'ont plus été le fruit du hasard. Nous buvions des cafés, fumions des cigarettes. Que faisait-elle en Géorgie? Elle m'a dit qu'elle voulait traverser le Caucase pour gagner la zone de conflit en Tchétchénie. Ça m'a fait peur. Même si la Tchétchénie est un pays voisin de la Géorgie, nous n'y allons jamais. Ce n'est pas une destination conseillée, surtout pour des journalistes. Nous allions pourtant nous y rendre ensemble. Nous quittons Tbilissi la nuit. 2 Tchétchènes nous conduisent en pick-up dans le nord, en direction du Grand Caucase. Les hommes ne parlent pas beaucoup. C'est la première fois que je quitte la Géorgie et je ne sais même pas où je vais. Nous apercevons un homme au milieu de nulle part. Nous nous arrêtons. Je ne me rappelle plus qui lui a adressé la parole. Toujours est-il qu'il monte dans notre pick-up. Nous arrivons à Chatili au lever du jour.
Nous sommes toujours dans mon pays, et pourtant j'ai l'impression de me trouver ailleurs. La Tchétchénie ne doit plus être loin. Nous passons devant des femmes et des enfants. Ils ont l'air fatigués et perdus. Des réfugiés tchétchènes. Maintenant, la guerre n'est plus qu'à quelques pas. La guerre. Elle apparaît ici bien différente de ce que j'ai pu en voir sur les écrans. Des gens meurent autour de moi. Et à tout moment, je peux être la prochaine victime. Mais je me sens protégé, comme si des boucliers invisibles se dressaient entre moi et ce qui m'entoure. Je suis comme coupé de la réalité. Je vois tout à travers un verre, la lentille de mon objectif. Et je sais que je dois être fort. Si je m'effondre, mon séjour ici n'a plus aucun sens. Raïssa se joint à nous. C'est une journaliste tchétchène et une amie de Françoise. Le pire est de voir des corps d'enfants qui viennent de mourir juste avant que nous ne les photographions. Je me trouve devant une montagne de chair. J'entends les gens parler. Je comprends ce qu'ils disent. Il y a 3 morts, 2 enfants et leur père, qui a essayé de les protéger avec son corps. Puis je vais à l'hôpital. Je prends en photo une femme qui a perdu connaissance. On parle de nouveau derrière moi. Je comprends que c'est la mère des enfants morts. Elle est la seule survivante. Quand elle se réveillera, elle saura qu'elle n'a plus de mari ni d'enfant. Et on lui a amputé le bras gauche. Omar. Omar. J'entends une fois encore des voix. Elles parlent d'une bombe de 8 ou 9 tonnes qui a explosé ici et tué 126 personnes. Je ne savais pas qu'on mesurait les bombes en tonnes. Le calme revient parfois pendant une heure ou deux. Je me demande où est passé le type que nous avions pris en chemin. Il s'appelait Brice. C'était un photographe français. En nous quittant à Grozny, il a demandé à Françoise un baiser pour lui porter bonheur. Peut-être est-il lui aussi en train de prendre des photos juste au coin de la rue.
Nous allons d'un endroit à un autre. J'essaye de rester toujours près de Françoise. La vie peut s'arrêter à tout moment. Nous passons les nuits dans un bunker, avec les combattants. Parfois, il sourit, je ne comprends pas. Ils font même des blagues. Et après, il meurt. J'entends à nouveau des gens parler derrière moi. Ils disent que les hommes sont des chaïds. C'est la première fois que j'entends ce mot. Ils m'expliquent qu'un chaïd est un martyr. Un martyr qui meurt dans une guerre sainte. Je prends des photos. Ensuite, je perds la notion du temps. Les choses commencent à se mélanger dans ma tête. Je m'aperçois que je ne réagis plus au bruit des avions de guerre. Je sais à présent qu'on ne les entend qu'après leur passage. On a l'impression que ça pourrait continuer comme ça indéfiniment. Mais Françoise nous dit qu'il est temps de rentrer. Retour en Géorgie. Retour chez moi. Tbilissi ne m'avait jamais paru aussi belle. Je passe mon temps avec Françoise. Nous aimons être ensemble. Puis nous apprenons une terrible nouvelle. J'ai été enlevé dans ce pays, il y a environ 3 semaines. Je suis traité comme un chien, comme un animal. Ils viennent n'importe quand, ils me réveillent, ils sont complètement sous. Ils s'amusent, quoi. Ils font ce qu'ils veulent de moi. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Et le téléphone de ma femme, Dana, 05 61 53. Brice a été enlevé juste après nous avoir quittés à Grozny. Le choc. Tout s'écroule, comme si Françoise se réveillait alors que moi je continuais à rêver. Elle a sans doute compris bien avant moi que notre relation n'avait pas d'avenir. Elle devait retourner à Paris. Retourner dans son monde. Thank you.
Tout ce qui me reste d'elle, ce sont des souvenirs de Tchétchénie. Et il me rattrape. Je contacte des agences de photos pour leur proposer un nouveau reportage sur la zone en guerre. Mais personne ne veut de moi. Personne ne me connaît. Good evening. You are about to see something unique. There's been plenty on the news about Chechnya since Russia launched its assault there 3 months ago, but very little about what it's like on the other side of the lines. Well, tonight we're going to bring you that story for the first time, seen through Chechen eyes. Raisa Torkanova is a 29-year-old journalism student. To get her film into our hands, she had to make a dangerous journey from Grozny, traveling only by night along roads under constant attack. This is the Chechen story, and we went there to judge it for ourselves, but the testimony is compelling. They shoot where they please, kill who they want. I was completely healthy. Look at me now. Raïssa se trouve maintenant en Géorgie. C'est une réfugiée. Elle a réussi à faire passer son matériel vidéo, mais a dû laisser son enfant dans les montagnes, chez la grand-mère. Selon elle, c'est plus sûr. Elle-même a dû prendre la fuite. En tant que journaliste tchétchène, elle est une cible potentielle. Ici, à Tbilissi, elle peut vivre librement. Elle ose même sortir dans la rue sans foulard, ce qui serait impossible à Grozny. Parfois, nous allons dans la vallée du Pankissi, où vivent des réfugiés tchétchènes. Raïssa filme tout le temps. Elle espère que ces images permettront de changer le destin de son peuple. Je prends aussi des photos, mais juste pour moi. Марина выросли для того, чтобы на любом уровне защищать свои права законными методами, без оскорблений, без матов. Un jour, Raïssa m'emmène à une conférence organisée par des Tchétchènes à Tbilissi. J'y rencontre Antonio Russo, le principal intervenant. So in a technological way they use all kind of army. We know about the vacuum bomb. Okay. Antonio est un reporter de guerre italien. Il enquête sur le conflit en Tchétchénie, mais ne peut pas s'y rendre car les Tchétchènes ont perdu le contrôle d'un col en montagne. Il a déjà couvert de nombreux conflits, notamment en Afrique et dans les Balkans. C'est surtout son travail courageux au Kosovo qui l'a fait connaître. Même s'il fait un métier difficile, il paraît serein. Son anglais est à peu près aussi mauvais que le mien, mais nous nous comprenons tout de suite. Il m'invite chez lui, où je rencontre une autre personne qui veut aller en Tchétchénie. Renzo Martens, un artiste d'Amsterdam. Il a en tête un projet vidéo que je ne comprends pas très bien. Renzo fait tourner en permanence sa petite caméra. What do you think of those romantics who go to the war? Those romantic? The romantic people that go to the war. Life is not a romantic thing. Life is something more hard. Why do you go to wars if it's not romantic? Why do you go to wars to show reality of the world? No, it's not romantic. It's only that I'm interested to know the limits, you know, limits. Limits. Of a human being, mm-hmm. And the war is the best field. That's very romantic, though. No, it's not romantic. No? But okay, this is European, my opinion, it's all right. It's no problem.
But when you said, why you want to be in the war? I want to know this. How you could kill person in that way, as in Africa, as in Yugoslavia. As I think also in Chechnya, with genocide, with filtration camp, with the massacre, we don't know exactly what is going on there. We don't know it. Antonio enrage de ne pas pouvoir aller en Tchétchénie. Les Russes ont refusé sa demande de visa et les sentiers en montagne ne sont plus accessibles. Renzo, lui, a un visa et il veut partir. Il me propose de participer à son projet. Nous arrivons à la frontière russe, mais les gardes ne nous laissent pas passer. Les étrangers ne peuvent entrer dans le pays que via Moscou, disent-ils. Et ils nous renvoient. Encore une tentative ratée. La Tchétchénie ne veut décidément pas de moi. Radio Radikale žurnalistis Antonio Rusos guamit Tbilisidan 40 kilometrši Komboris gzaze ipoves. Nikolajis kučaze misi bindan dakarguli iqo kompjuteri, sateliturii, telefoni da videokasetebi. Avant notre départ, Antonio m'avait dit qu'il détenait des preuves sur un trafic d'armes et d'organes. Je ne savais pas que c'était aussi dangereux pour lui. Il paraissait tellement loin de la guerre. Mais peut-être que la guerre a les bras très longs. J'avais perdu un ami. Plus qu'un ami. Antonio était un homme qui avait la réponse à beaucoup de mes questions. Antonio just 1 month before his murder. But this 1 month was enough for us to become friends, and also for me it was enough to learn many things from Antonio. Antonio was fighting for the truth, and the truth is the best thing that human being can fight for. I just want to say that I will try my best to go on that direction that Antonio showed me. Je suis sûr qu'Antonio était conscient des risques qu'il prenait. Il a décidé malgré tout d'aller à la guerre. Une guerre qui ne cesse de me rejeter, comme si je n'étais pas assez bon, assez fort pour elle. Я хочу дать как интервью в пост. Жип твой стоит? Да, да, да. Вот слушай меня сюда. Да. Если он сейчас сюда не подъедет, я его расстреляю. Там я... Сюда давай. Ты стой здесь. Давай. Я не могу вернуться. Просто. Нет, ты уже не вернешься. Извините, ну, если ты хотите, не вы... сразу.
Поэтому я хочу ваше мнение об этом. Это я хочу снимать. Подождите, камера, снимайте мне сейчас. Я вам снимаю. Я снимать не умею. Он просто снимает сам. И говорит мне, подружка, что вы думаете обо мне. Ну, я не хочу комплименты, только правда. Я что могу об вас подумать, я не знаю. Вот каждый раз приходят такие же, как и вы, журналисты. Фотографируют нас, не знаем. Что будет, что получится из этого? Вот сколько раз было таких журналистов. Я вам что скажу? Мы войну не хотим. Мы хотим мира, как и другие люди. Нам нравится, как они приходят нас, как они фотографируют. Нам нравится. Но не знаем, что от них толку. Мы думаем, может, они нам помогут, может, они нас будут показывать везде. Вот что мы думаем. Может, они нам помогут. Вот поэтому мы хотим своих детей, чтобы они сфотографировали. Чтобы нас они сфотографировали. Ну, он, например, он не поможет, например, не сможет помочь. Не знаю, откуда нам это знать. J'ai perdu le contact avec Renzo. J'étais jaloux qu'il puisse aller en Tchétchénie et pas moi. Il a pris l'avion via Moscou et n'avait pas assez d'argent pour deux billets. Plus tard, lorsque j'ai vu son film, j'étais mal à l'aise. Ce qui m'a le plus dérangé, c'était son scepticisme sur le rôle des reporters de guerre. Moi qui voulais justement faire ce métier. Conduit à cheval, les yeux bandés, Brice Thiot a quitté les montagnes tchétchènes dimanche soir. C'est hier matin, très tôt, les forces russes lui donnent alors un téléphone satellite qui lui permet d'appeler sa famille. Allô? 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 Oui, c'est Brice, là. C'est Brice. C'est qui à l'appareil? Mais Dana n'est pas là, elle est au travail. Petite déception, Brice Thiot ne pourra pas joindre immédiatement son épouse. En attendant son départ pour Moscou, les Russes lui communiquent alors des coupures de presse racontant le voyage de sa femme venue en Tchétchénie dans l'espoir de le retrouver. Oh, it's my wife. Au moins, ça m'aura peut-être servi de leçon, quoi. И мне это будет уроком. Спасибо вам. Brice Thiot vient de rentrer en France. Il a été otage pendant plus de 8 mois en Tchétchénie. La nouvelle est pour moi comme la lumière au bout du tunnel. Et d'abord, les images de son retour, les retrouvailles avec sa fille Sarah. Ma vie aussi change de façon inattendue. Je remporte le premier prix à un concours de photos. Je suis sélectionné pour une formation aux médias et peu de temps après, je décroche un emploi dans la plus grande chaîne de télévision de Géorgie. Je travaille pour une célèbre émission d'investigation. Je suis du côté des victimes. Ce n'est pas vraiment du journalisme de guerre, mais je suis très content de ma nouvelle carrière. Enfin, je ne me sens plus inutile. L'une de mes missions m'amène aux États-Unis. Mon premier jour en Amérique, je m'en souviens comme d'une journée étrange. Mais quelle joie de retrouver mon ami Raïssa qui a obtenu l'asile ici. J'ai demandé à Raïssa de me raconter son histoire devant la caméra, comme si j'avais peur que son image ne s'efface de ma mémoire. Я уже два года как в Америке. Приехала я на презентацию своего фильма, своего последнего, единственного фильма, который не стал еще одним фильмом, который не затерся среди многих других фильмов, а он был здесь понят, просмотрен и еще и обсужден. Я с очень многими людьми говорила.
И вот так вот по стечению обстоятельств я могла здесь остаться, продолжить учебу и работать, что я и сделала. Если честно сказать, я очень плохая мать. Я не смогла дать тепло, любовь и воспитание своему ребенку. По стечению обстоятельств мне все время приходилось все свое свободное время отдавать своей работе, потому что я хотела самоопределиться, самовыразиться не для кого-нибудь, а для себя. Я все время думала, когда этот ребенок подрастет, я смогу ему объяснить, я своей дочери смогу объяснить, что я не могла иначе. Raïssa semblait satisfaite de sa nouvelle vie américaine. Mais je ne sais pas si elle supportait bien d'être coupée de son pays et de sa famille. Elle avait peut-être besoin de se détacher du passé, d'oublier la guerre que nous avions partagée et qui m'apparaissait toujours comme un mauvais rêve. Il y a une autre personne avec qui j'ai partagé la guerre et qui a disparu de ma vie sans laisser de traces. Disons, si, elle a laissé des traces. Un tas de souvenirs. Des souvenirs très flous. Les années ont passé, mais je porte toujours cette désagréable confusion en moi. Un jour, j'ai sonné à sa porte. Mais personne n'a ouvert. Quelqu'un m'a dit qu'elle était à Genève pour présenter son nouveau film sur la Tchétchénie. Françoise n'a pas assisté à la projection. Elle était dans la pièce d'à côté, avec d'autres journalistes qui s'étaient fait connaître par leur reportage en Tchétchénie. De l'intérieur tchétchène, pro-russe, et ils ont torturé exactement comme l'aurait fait les Russes. Anna Politkovskaya. Жестокая месть, которая сегодня руководит и одной, и другой, и третьей стороной. И я бы хотела сказать еще об одной важной вещи. Да, очень важно, что у нас есть комиссии по правам человека. Но 4,5 года комиссия делала вид, что не надо ничего делать в Чечне. И это жестокая реальность. Il ne va pas y avoir une résolution condamnant la Russie. C'est probable, mais ce n'est pas... Françoise était froide et distante. Notre échange a été très bref. Elle m'a juste dit qu'elle allait toujours en Tchétchénie et aussi en Afghanistan. J'ai appris ensuite qu'elle était tombée malade. Les médecins ne lui ont pas laissé beaucoup d'espoir. Elle a suivi un traitement extrêmement douloureux qui lui a fait perdre ses cheveux. Ses beaux et longs cheveux qu'elle a remplacés par une perruque. Deux ans plus tard, Anna Politkovskaya, qui était présente à Genève aux côtés de Françoise, a été abattue dans la cage d'escalier de son immeuble. Oui, la guerre a les bras longs. Ce
Son nom et son visage resteront associés à la guerre en Tchétchénie. Le photographe français Brice Fletiot, qui avait été retenu en otage pendant 8 mois et demi, s'est donné la mort il y a 2 jours. Brice Fletiot, âgé de 33 ans, était dans un grave état dépressif. Il venait de publier un livre dans lequel il fait le récit de sa captivité. Quand ils m'ont emmené dans le premier cachot, là, que j'étais tout seul dans le noir et tout, bon, là, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu peux pas comprendre. Le photographe est ressorti marqué par sa captivité dans cette interview. La guerre a tout pris à Brice, y compris sa famille, qui était en morceaux à son retour. Rien ne sera plus comme avant, écrit-il dans son livre. Questions se bousculaient dans ma tête. Il y en avait une à laquelle il me semblait facile de répondre. Pourtant, je n'y arrivais pas. Cette question, c'était : pourquoi partir à la guerre quand on n'y est pas obligé ? This film is about people, the sort of people who may become little more than numbers in a casualty list. Indeed, several of those who appear in this film are already statistics. L'homme qui a filmé ces images s'appelle Nick Downey. J'ai été très surpris d'apprendre qu'il vivait désormais dans un petit village de Géorgie. I do remember feeling there was this sort of fire burning inside me, and I couldn't put it out. I couldn't quench it, and the only way of dealing with it was to go off to these wild places and have yet one more adventure. And the greatest adventure is war. Having said that, I don't want to glamorize it. I mean, I remember once a well-known war photographer said, "You cannot take the glamour out of war." And I remember getting extremely angry when I heard that, because to me, there is actually no glamour in it. There is no romance in it. It's a very tough, very savage, very nasty business. I suspect we all of us engaged in this business do it out of selfish motives. And although we probably get hooked into it in the beginning by some form of idealism, possibly, as I was, That wasn't that that sustained me. That wasn't that that kept me going. What kept me going was that, to begin with, I enjoyed it. Then it became, to some extent, an economic necessity. That's what people hired me to do. And it became a habit. Un mois avant notre rencontre, Nick vivait encore à Londres, mais sans domicile fixe et sans emploi. Puis quelqu'un lui a proposé de s'occuper d'un camp de touristes dans le Caucase. I once sat in Angola. I was stuck in the bush for months, weeks.
And I sat there thinking, with nothing to do, and I sat there thinking, what is the purpose of life? What's it all about? Why are we here? And I came to the conclusion that the only reason we are here is to have children and pass on our genes, which is what every other animal on the face of this earth is its only purpose. And I don't think, despite our pretensions, we are any different. And really, once you've done that, and I have, there's not much further point in your being on the face of this earth. Death doesn't bother me anymore, at all. And there was a time when I used to get frightened. There was a time when I thought my nerve was going. But in the end, I over a very long time, I think about 18 years after I first got shot at, I suddenly realized I had completely lost all my fear of death. In fact, I lost my fear of everything. And now I can't reproduce the feeling. I actually can't make myself afraid anymore. I've tried, because it's a rather strange feeling not to have any fear of anything anymore. Not a very nice feeling. I don't recommend it. It's as if part of you has died already. But that's what happened to me. Les réponses de Nick m'ont encore plus perturbé. Il m'est apparu à la fois comme un héros et comme un homme brisé. J'ai senti que la guerre faisait rage en lui et qu'il se battait toujours. Est-ce que je veux être comme lui? Avoir le même destin? Un an plus tard, je rencontre Lia. Elle ouvre un nouveau chapitre dans ma vie. L'appel de la guerre n'a plus de prise sur moi. Jusqu'au jour où elle arrive en Géorgie. Août 2008. Les chars russes sont à 40 km de Tbilissi. Je remets ma casquette de reporter de guerre. Le conflit ne dure que 5 jours, mais il tue des centaines de personnes, dont 4 journalistes. La guerre chez soi, c'est une toute autre histoire. Surtout quand son propre enfant est menacé. Je ne veux plus voir la guerre, être reporter de guerre. Je jette l'éponge. Est-ce que ça va me manquer ?
Je n'en sais rien. Je n'arrête pas de penser aux gens qui semblent chercher dans la guerre quelque chose de précieux. Je me souviens de Giorgio Fornoni. Il est venu en Géorgie pour enquêter sur la mort d'Antonio Russo. Αμα άδικηλα σου είπα εσύ και Αντώνιο Ρούσο, τα ρούαρ με είπα εσύ και σε ήλεβα σε έτσι αυνα τα αντζάγλεψ, αν χωάβεψ. Nous sommes allés ensemble dans la vallée du Pankisi pour rencontrer les réfugiés. Giorgio n'est resté que quelques jours, mais j'ai senti que je devais lui parler. Il pouvait s'exprimer des heures, comme un homme politique. Mais il savait parfaitement de quoi il parlait. Et ses connaissances, il les tenait de son expérience personnelle, pas de la lecture de livres ou de journaux. Ça remonte à loin. Peu de temps après, Giorgio est parti en Tchétchénie, et depuis je n'ai presque plus eu de nouvelles. Mais je ne l'ai pas oublié. Il a essayé de m'expliquer ce qui le poussait sans cesse à aller sur le front. À présent, je suis en route vers Bergame, dans le nord de l'Italie, où Giorgio m'attend pour m'emmener dans son village d'Ardesio. C'est comme dans un conte de fées, quand on suit l'appel du maître pour aller recueillir ses connaissances secrètes, à condition d'y être prêt, bien sûr. Ciao. Ciao. Ah, bel cane, eh? Attento, eh? Sam, dai. Cucia, eh? Cucia, puzzone! Qui dove tengo un po' le mie cose, eh? Qui è un po' il mio mondo. Ecco. Ah, Palestina. Angola? Angola. Katusha. Oh my God. In Angola. Oh my God. Afghanistan. Guatemala. Kurdistan. Look at this, only this, only, look. Ah, intenso, eh? Sì, sì. Very intense. Mm. Emotional. Emotional. And this is a very good picture, also. But, yes, sì, but important reality. Avevo una famiglia, ho rinunciato a stare con la famiglia per riuscire a essere libero per andare un po' più in là. Questa è stata una delle rinunce importanti che io ho fatto. Ma un'altra cosa di rinuncia qual è? Quella a volte di prendere la vita forse troppo sul serio, perché non ho mai desiderato andare ai Caraibi, non ho mai desiderato andare
in ferie in un certo posto. Per me il necessario, per me necessitava andare sempre in quel posto dove riuscivo a dare un senso appunto alla vita, e quindi andavo più in là. Io vado nelle guerre e vado a cercare le prime linee perché lì la gente non può barare. In guerra sei al confine, lì è tutto vero, lì non è fiction, lì non puoi barare, lì è la vita. Vieni, guarda qui, siedi, è tutto bello ciò che vedi, ma la cosa più importante qui dentro è il silenzio. Senti, senti il silenzio. Silence, perfetto, silence. Ecco, Luca, guarda. Giorgio est un aventurier de haut vol, bien plus que je ne le suis et que je ne le serai jamais. Mais sa philosophie me fait peur. Le front est-il vraiment le seul endroit où les gens ne font pas semblant? Notre vie quotidienne n'est-elle qu'une vaste supercherie? A-t-il trouvé une autre réalité, plus tangible? Je ne sais pas. Il a décidé de rester seul. Est-ce l'unique moyen d'atteindre de grands objectifs? Je ne suis pas prêt pour ça. J'entreprends le plus long voyage de ma vie pour voir un autre gourou de la guerre. On m'a dit qu'il vit à présent en Afrique du Sud, où il s'occupe de sa vieille mère. Away from Georgia to make a film about Nicholas. Good heavens. Well, darling. I sleep on the top floor, it's too hot at the moment. Yeah? There's your pillow. Huh? I'll put your sleeping pill on your Kindle, all right? Yes, that's fine. Thank you, darling. Okay. If you like to put that. Yes, I will. Mm. There we go. Okay, good night, darling. Okay, night night. Oh, it's lovely. See you later. I'm going to shut the door, okay? Yeah. You know, I set out to make films about war because I felt there was something worth saying, and that people would listen to it, and that it, within given situations, it might have an effect on policy or people's attitudes or the outcome or whatever. I felt it would have some value, okay? But experience taught me over quite a long period of time that I was kidding myself. So I if you like, chose the path of unhappiness and what I saw in my life were terrible things. Which had nothing
in human terms, to commend them. And if you want happiness, you can't do it. I don't think you can do it on your own. You cannot be happy and communicate that happiness to other people as a lone individual. I may be wrong, but I don't think you can. You know, maybe Mother Teresa could. I don't know. But for the rest of us, I think it has to be a partnership. And that partnership is the most fundamental thing. Lot of memories, huh? Yeah, and when the old girl dies, they're all going to disappear. Of all the things I want to preserve is this statue. And to me it sums up everything. I mean, what do you see there? Mother, baby, a father is holding a hammer. It's a man defending his wife and child. To me, that sums up life. And if it was the last thing I had to sell, that would be it. Je n'ai plus revu Nick depuis. J'aurais pu me douter qu'il ne partagerait pas les idées de Giorgio. Ils ont chacun dépassé les limites, mais apparemment pas dans la même direction. Je ne sais pas lequel des deux a gagné ce duel. Peut-être qu'il n'y a pas de vainqueur. Je crois qu'il est temps de reléguer la guerre dans mon carton à souvenirs et de m'en détacher. J'ai toujours été doué pour oublier. Pourquoi cela prend-il autant de temps cette fois? Grozny aujourd'hui. La ville célèbre l'anniversaire du président. La ville que j'ai connue n'existe plus. Mais qu'en est-il de ses habitants? De leurs cicatrices? Et de leurs souvenirs? Америка для меня стала пристанищем, где я прожила много лет. Я живу здесь со своими проблемами, с тоской. И знаешь, как живу? Как живут? Знаешь, как ты когда-нибудь ехал на поезде, и ты делаешь пересадку и ждешь другой поезд. Вот моя пересадка затянулась на много-много лет, и я все время сижу на чемоданах, и все время меня тянет туда, откуда я приехала, мысленно, но... Своим пониманием я знаю, что ловить мне там нечего, ничего меня там хорошего не ждет. Творчески я там не смогу выложиться, я это точно знаю. Да и тема уже не моя. Может, ты и никогда не вернешься в Чечню? Может быть. Может быть, и не вернусь. Потому что я не хочу испытывать то, что я когда-то испытала. В тот момент мне надо было выжить и сохраниться как личность,
потому что кое-кому показалось, что они меня растоптали. Я-то замуж выходила. Как? Я вообще не выходила замуж-то. Замуж-то не выходила я. У нас была такая традиция, знаешь, похищать. То есть показать свою привилегию, что вот женщину можно украсть там по своей кротости. Я должна была сделать вид, что мне оказали одолжение. Нет, просто случилось то, что случилось. Я уже не могла быть такой сильной. После ребенка я не могла быть уже сильной такой. И у меня была немножко моя обида внутри меня. И я должна была выжить. У меня была бы депрессия в начале войны. У меня была бы депрессия, сильная депрессия у меня была бы. Но мне война даже помогла. Понимаешь? On m'a dit que Renzo avait tourné son deuxième film au Congo. Encore un pays qui souffre. Il est devenu assez célèbre grâce à son travail. Est-il désormais plus attiré par les zones en conflit ? Cherche-t-il à repousser ses limites? Est-ce la guerre en Tchétchénie qui l'a changé? Il est la dernière personne que je dois rencontrer. Yeah. But so you asked how I was. Yeah, I'm doing fine. I work very hard these days. Much harder than when we met. Yeah. At the time, I was just lying in bed all day sometimes. We didn't work really, we were just looking around. Youth always has power. The power of innocence, the power of not knowing. You know, if you put here a guy of 27 who says, hey, I'm going to Chechnya, I'm going to make a film about myself. You'll be jealous and I'll be jealous. Because youth has time and energy and I think that's kind of it. They afford also like stupid things, doing stupid things. Which, they have time to do stupid things that we can't afford anymore. Yeah. But it's fantastic to do the stupid things. Yeah. In other words, you would say you found your place. You do what you enjoy doing and you think yeah. that's the right thing for you to do. Yeah, more or less. Yeah. Yeah. I became an artist and maybe also a filmmaker, but certainly an artist. While making the Chechnya film, absolutely, yeah. But it was good, Alex, that I went to Chechnya on my own. I could not have made the film if you would have been around me. I had to be on my own. It's a one-man adventure. Après avoir vu Renzo, je prends conscience du temps qui a passé depuis que toute cette aventure a commencé. Je n'ai plus 22 ans. Je suis un grand garçon. Ça m'a plu qu'ils disent que la Tchétchénie l'a aidé à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Est-ce valable pour moi aussi? Je pense avoir trouvé ma place dans la vie. Rien d'extraordinaire,
Mais pour ça, j'ai dû entreprendre un long voyage avec de nombreuses étapes. La guerre a été la première. Je crois que la guerre est le carrefour où la route bifurque vers un autre monde. Un monde qui a happé mes amis et ne les a plus laissés retourner vers la paix. Si vous partez à la guerre, elle vous accompagnera ensuite toute votre vie. Ai-je eu la chance de ne pas m'aventurer trop loin sur cette route ?